Salut à tous, voilà, nous sommes au port le 4, regardez. Là, je vais en voir du voilier, hein. C'est trop bien. Regardez, hop, grosse grue. Des voiliers, il y en a partout, à perte de vue. Donc, je suis en train de me balader, là, tranquillement. On a passé une nuit, j'ai une sale tête. On a passé une nuit pas terrible du tout. Ça a soufflé à pas loin de 100 km/h. Ça nous a secoué dans tous les sens. Donc, on n'a pas beaucoup dormi, hein, forcément. Je vous ai mis un petit extrait, d'ailleurs. Voilà, bah là on se balade gentiment, il fait super bon, il n'y a plus de vent, c'est trop beau, on va regarder les bateaux là. Ah, moi j'adore, ça va encore me donner des idées. On se balade, regardez. On a été voir plein de bateaux, j'ai parlé avec un monsieur super gentil qui m'a expliqué plein de trucs sur les voiliers et tout. Et puis moi je lui disais, mais dans ce cas-là, vu que ça coûte cher, tout ce qui est voile et tout, on peut pas prendre un genre de bateau comme ça. Et là, un vieux, vous savez, une vieille vedette, elle m'a dit, on a emmené une fois une vedette à Barcelone, donc à peu près 200 km, et il m'a dit en mille, en miles, mais bon, voilà, je comprends pas. Enfin, donc du coup, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me dire en kilomètres? Il m'a dit environ 200 km. Pour y aller, on a mis 1100 litres pour faire 200 km. Elle dit, ah ouais, donc vaut mieux quand même avoir un voilier. Alors, en fait, c'est vraiment un truc de dingue. Je pensais pas que ça pouvait consommer autant. Ça roule pas, du coup, c'est tout le temps en friction avec l'eau. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a toujours une force. Voilà, c'est toujours en force avec l'eau et il faut tout le temps, tirer quoi. Enfin, c'est dingue. Du coup, ça permet de se mettre un peu plus des idées dans la tête et tout, à se dire. Waouh, en fait, c'est chaud quand même à faire ce truc-là. Il faut avoir, j'ai l'impression, un petit peu de monnaie quand même. Et bien préparer son coup. Mais en fait, je dirais que même savoir naviguer, ça passe limite en secondaire. Parce que si vous êtes mal préparé, que vous n'avez pas le budget pour partir, vous ne partirez pas. Donc voilà. En tout cas, c'est super joli, il fait bon, rien à voir avec cette nuit. Magnifique. Magnifique. Voilà, ça y est, on est rentré avec Théo, vous avez vu, on a été faire un petit tour au niveau du port et tout. Et regardez, là-bas, on tombe comme de par hasard, on tombe sur, là, ici, on ne le voit pas très bien, le catamaran qu'ils avaient autour d'un monde. C'est trop dingue de le retrouver ici, ça fait bizarre de le voir en vrai. On a la police qui est venue, tout ça, qu'est-ce que vous faites là? Bah rien, on est venu tourner une vidéo, vous savez, pour mon projet, hein. Je vous dirai pas, mais je leur ai dit. Voilà, on tourne une vidéo, samedi soir on est parti quoi, on en a juste besoin de la journée de samedi pour tourner ce que j'ai à tourner. Alors il y a le directeur qui est arrivé, qu'est-ce que vous faites là, tout ça, donc j'ai expliqué, moi j'ai appelé en milieu de semaine pour vous dire que je devais tourner une vidéo ici, et on m'a dit de me garer à côté de la capitainerie tout simplement. Donc ça va, il a compris, il a été assez cool, j'ai dit moi j'ai du matos vidéo, je peux pas me permettre de me garer trop loin, donc ça serait cool de nous laisser là au moins encore aujourd'hui nuit, et que je puisse tourner ma vidéo du samedi. Comme ça c'est cool quoi. Il m'a dit ça va, ils ont tous été gentils, la police municipale, le directeur du port et tout, ils ont tous été gentils comme tout, parce que normalement les camping-cars c'est hyper interdit ici, il y en a qui essayent toujours de s'y mettre, et donc nous on est venus, donc normal, ça leur a fait bizarre ce matin de voir ça. Voilà, tout se termine bien, on a le droit de rester ici jusqu'à demain, c'est cool. Everybody's walking toward the dead road, on a place in a foreign world. Tidal waves and broken like a starlet. I am drunk, but I'm made for her. I was made to fall. Hello,
Bon, ben, on a trouvé un petit spot payant, mais qui a l'air bien sympathique. Et on va passer 2-3 jours là pour les fêtes. On va être bien tranquille. Au moins, on sera posé. On se fera pas virer le jour de Noël. T'es d'accord? Ouais. Allez, on vous en dira plus à la prochaine je fois. Voir la route, regardez, on frotte les sapins, ouais, et tout. Là, le passage. Mais ça va, ça passe. Nickel. Les petits oliviers à droite, les sapins à gauche. Avec des escargots dans les arbres. C'est pas des escargots, non, c'est des genres de petits. On dirait trop des escargots. Ouais, c'est vrai, on dirait des escargots. Qui sont accrochés. Sauf que c'est des pommes de pin. Voilà. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems. Bon, et bien voilà, ça y est, on est arrivé dans le sud. Là, on peut pas être plus près de la frontière espagnole. On a 30 km. Là derrière, je vais vous faire voir. Apparemment, il y a le Canigou. C'est ça, les montagnes enneigées. Franchement, il n'y a pas plus beau comme décor pour passer les fêtes de Noël. Franchement, c'est trop bien. Waouh! Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est bientôt Noël. Du coup, je voulais me maquiller. Ah, tu devrais faire ça plus souvent. Ouais, je sais. Tu devrais faire aussi des trucs, tu sais, comme ils font les Instagrammeuses. Aujourd'hui, j'ai essayé un petit top de chez Machin, avec un petit pantalon de chez Machin, et j'ai mis du rouge à lèvres. Ça, de regarde. Chez Machin. N'empêche. Mmh. Ils sont super bons. Oula, hein. Faut que je vous laisse. Donc, j'étais en train de dire, avant que tu me perturbes. Pardon. Je peux re-rentrer si tu veux. Il y a le Canigou derrière, là-bas. Le Canigou. Si, bah, c'est le Canigou, ça, hein, que ça s'appelle. Et il y a des montagnes et tout, je vais vous faire voir. Bah, attendez, bougez pas. Regardez, ça, c'est notre décor pour Noël. Vous avez vu? C'est trop magnifique. Bah ouais, t'avais pas dit bonjour, t'arrives comme ça, tu fais ta... ouais, c'est Charlotte. Vous avez vu, je me suis maquillée aujourd'hui. Et voilà, donc on s'est posé là, on sait pas trop combien de temps. En fait, on s'est dit plutôt que de rouler, parce que au plus on se rapproche du sud, et au plus les spots, ils sont chiants à trouver. Ouais, c'est galère. Donc là, on a trouvé, comment ça s'appelle, une ferme équestre? C'est ça, c'est un centre équestre. Un centre équestre qui propose de louer des parcelles de terrain pour se poser. C'est 5 € la nuit et 5 € pour l'électricité. Donc ça va, c'est et pas cher. L'eau gratuite. L'eau gratuite. On a pris une journée d'électricité pour mettre un bon coup de charge aux batteries parce qu'elles étaient un petit peu à plat, enfin 60%, donc on a mis un bon coup de charge. Et on espère que la NTS vont se manifester. Ils vont se manier le cul, ouais. Peut-être lundi ou mardi, je sais pas, qu'ils vont nous dire c'est bon, vous pouvez payer. Et là, dans ce cas-là, bah, on risquerait de partir en milieu de semaine. Sinon, bah, peut-être qu'on va attendre... Bah, je pense que là, on est pas très loin de la frontière, donc je pense qu'à mon avis, là, on va attendre carrément la carte grise ici. Bah je ouais. pense que ça serait plus judicieux. Ça la carte grise provisoire. Oui, la carte grise provisoire, ouais. Je sais qu'on peut pas trop sortir, oui, mais bon, ça va. Une carte grise provisoire, ils vont pas nous emmerder en Espagne ou quoi, si on l'a. On descendra, puis après, ma mère, elle nous l'enverra à Valence, si chez la copine de Charlotte. De toute façon, lundi ou mardi, la carte provisoire, qu'on croise les doigts. Fin de semaine, on aura l'original. Voilà, donc, c'est ça. Deux jours après, oui, il y a le jour férié. Ouais, allez, début de semaine prochaine, au grand max, on aura la carte grise, l'original. Donc bah, là, on s'est posé ici pour Noël, pour être tranquille, pour ne pas se faire virer, comme on vous a expliqué. Et franchement, on est au calme. On a eu encore une journée de vent cette nuit. Oh. Ça a pas mal soufflé, on a encore mal dormi. Une nuit, ouais. C'est un problème, le vent, quand vous vivez en camion ou en bus, parce que franchement, c'est la galère. Et ce qui est bien, c'est que les enfants, ils peuvent courir, ils peuvent... Ouais, là, franchement, c'est nickel, ils ont été voir les chevaux tout à l'heure. Ils ont été voir... C'est bien ici ? Ouais. C'est cool ? Donc, voilà. On vous laisse, on va vous laisser. Parce que ça commence un peu à pleuvoir. Ouais, mais moi, je tiens avant tout à souhaiter à tout le monde de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Parce que là, on va se retrouver jeudi pour une autre vidéo qui va être consacrée à... Je vous fais une petite vidéo, comment se protéger des cambrioleurs et des vols quand on vit dans un camion ou un bus. Je vous prépare un petit dossier bien intéressant pour jeudi. On repasse à 3 vidéos par semaine, d'ailleurs. Et il pleut. Ouais, c'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est waterproof. Ah oui, c'est vrai. Et donc, voilà, on finit avec un petit rayon de soleil.
Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, faites-vous plaisir, mais pas trop. Et n'oubliez pas, dites aux gens que vous les aimez. Voilà, dites aux gens que vous les aimez. Je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Quand t'as du rouge à lèvres. Moi aussi, je t'aime. Voilà, passez aussi, de bonnes fêtes. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un bon réveillon. Moi aussi, je vous aime et je vous fête des joyeuses fêtes de Noël. Voilà, les enfants, vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël. Gâtez tous vos proches, plein d'amour. Amusez-vous bien. Et surtout, un très très grand merci de nous avoir suivis toute cette année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et tant mieux. Et voilà, voilà, on vous aime. Et voilà donc. Vive la vie, voilà donc, et donc voilà. Et en fait. Et en fait, tous les petits mots qu'il faudra arrêter de dire de temps en temps l'année prochaine. Hein, on n'est pas en train de faire la vidéo de la nouvelle année là. Ouais, voilà, alors. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Attention à la route si vous faites de la route parce qu'il y a beaucoup de chassés croisés dans tous les sens. Il faut conduire, attention. Hein. Il faut conduire et vous buverez après. Voilà, gros ou bisous avant. Ou avant. Non, mais avant. On vous conduisez pas si vous oui, buvez avant. Voilà. Avant. En tout cas, amusez-vous bien. Voilà, ça fait plaisir toujours de retrouver des proches et tout. Nous, on fait ça tranquillement, en ouais, famille, tout seul. Aussi. Et ça va être bien, voilà, dans un chouette décor. Et voilà. Donc. En fait. Gros bisous, en fait. Allez, on vous fait plein de gros bisous. Joyeuses fêtes à tous. Bye bye. Amusez-vous bye bien. Bye. À jeudi. Bisous, bisous. Salut, moi, c'est Charlotte. Je me suis mis un petit... Yeah. I be waving through the city, that's a whole lot of sauce. I'm about my business, not a whole lot of talk. Yeah, I'm about to kill 'em, that's a whole lot of chalk. A whole lot of danger when I'm in my lane, bruh. Wait a minute, ayy, wait a minute, they ain't even know you was winning. It's your turn, they can't even go. All I wanna do is throw some money in the air, ayy. Party with my squad as I'm leaning in my chair, ayy. Grab a bad shorty while I whisper in her ear.